Si vous avez tendance à être un procrastinateur, une procrastinatrice, en fait, à reporter au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. C'est ça, un procrastinateur. C'est oui, je le ferai demain. Oui, demain. Demain. J'appellerai mes clients demain, je démarcherai nouveau. Demain. Je lui dis je t'aime demain, je paierai mes impôts demain, je paierai mes factures demain, je rangerai ma valise demain. Demain! Ça, c'est le procrastinateur. Si vous êtes dans cette formule, dans cette archétype de procrastinateur, eh bien, vous devez savoir que souvent, les gens qui procrastinent sont, mais alors c'est conscient ou inconscient, sont obsédés par le produit final. Je m'explique, par le fait de, que le résultat soit parfait. Mais par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et vous vous dites, tiens, allez, j'aimerais avoir un petit boulot, une petite activité d'auto-entrepreneur en plus de mon salariat ou à temps plein. Très bien, je dois lancer mon site internet. Alors, je vais prendre plusieurs fournisseurs, je vais voir, mais demain, c'est pas assez parfait, j'ai pas les bons designs, c'est pas le... Et c'est là où vous allez vous pénaliser, parce que chaque jour, vous reportez la mise en ligne de votre site internet, pour prendre cet exemple, eh bien, personne ne vous connaît. C'est-à-dire que, vous ne décevez personne, mais pire, vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous cherchez la perfection. Alors attention, en amour c'est la même chose, dans vos finances c'est la même chose, travail, affaires, carrière. Les procrastinateurs veulent absolument un résultat parfait. Et grave erreur. Vous savez, en général le procrastinateur il va passer énormément de temps, et ça c'est sa façon de fuir, à commenter ce qu'il devrait faire, à planifier ce qu'il devrait faire, mais il ne fait pas. En fait, ce qu'il fait, c'est consacrer son énergie à commenter. Un procrastinateur, c'est un touriste de lui-même. C'est le touriste de son pays à lui. Et il commente. Ah, je devrais. T'as vu les autres ? Et il passe beaucoup de temps à commenter la vie des autres aussi. Il adore les magazines People, les reportages à la con, la télévision, le journal des nouvelles. Il adore ça. C'est son truc, commenter les autres. D'ailleurs, le procrastinateur, il en sait plus sur ses voisins que sur sa propre psychologie. Oui. Laissez tomber tout cela. Devenez un acteur et cessez d'être spectateur. Et c'est ça, le procrastinateur. Et puis, quelle est la peur, donc pour faire court, quelle est la peur du procrastinateur? C'est la peur de commencer. La peur de se lancer. Je vais me lancer, mais ce sera... Ah, c'est pas parfait. Non, je ne peux pas me lancer comme... Non, on n'est pas n'importe qui quand même. Pensez à ça parce que la recherche du parfait va devenir en soi quelque chose de profondément imparfait.